Salut à tous, vous regardez Pop and Chill, la chaîne cool qui vous parle de pop culture. Alors que Matt Reeves termine son Batman et que Zack Snyder peaufine sa version de Justice League, je vous propose de revenir sur l'ensemble des films Batman annulés. Cette vidéo aborde également les coulisses de Batman Forever et les réelles ambitions de Joel Schumacher. Alors prends ton plaid, car je t'en parle maintenant. Avant la version de Tim Burton, le réalisateur de SOS Phantom, Ivan Reitman, était sur un projet de film Batman. Scénarisé par Tom Mankiewicz, l'un des conseillers artistiques des Superman de Richard Donner, cette version de Batman aurait été plus sombre que la série des années 60. L'histoire était inspirée par la série Détective Comics de Steve Englehart et Marshall Rogers. La rumeur dit que Bill Murray aurait été Bruce Wayne, David Bowie le Joker et Eddie Murphy Robin. Après l'échec du projet, Bill Murray était encore en lice pour jouer Batman dans le film de Burton. What are you? I'm Batman. Pendant la post-production de Batman le défi, Tim Burton songe d'ores et déjà à une suite. Intitulé Batman Continues, le film devait réunir Michael Keaton et Michelle Pfeiffer, respectivement dans les rôles de Bruce Wayne et de Selina Kyle. Billy Dee Williams, qui jouait Harvey Dent dans le premier opus, devait également rempiler pour le film, dans lequel nous aurions assisté à sa transformation en double face. L'acteur humoriste Robbie Williams devait y incarner l'homme mystère et René Russo, le docteur Chase Meridian. Il se dit également que l'épouvantail aurait été présent et que les acteurs Brad Dourif, Jeremy Irons et Robert Englund étaient candidats pour le rôle. D'autres rumeurs rapportent que l'acteur Al Pacino devait camper le mafieux Salvatore Maroni. Robin devait être introduit dans le troisième volet et aurait été joué par Marlon Wayans. Initialement, l'acteur devait jouer Dick Grayson dans le second opus, mais comme le film avait trop de personnages, le réalisateur a décidé de le garder pour le film suivant. À l'époque de Batman le défi, Marlon Wayans a participé à des essayages de costumes et avait signé pour un troisième film. A noter que l'acteur a tout de même reçu un cachet pour un rôle qu'il n'a finalement jamais interprété, il percevrait encore des royalties pour une figurine. Et si le Batman 3 de Burton n'a jamais vu le jour, c'est à cause de McDonald's. En effet, l'empire du burger, qui était associé à Warner Bros. Pour la vente de jouets Batman dans les Happy Meal, a jugé les films de Burton inappropriés pour les enfants. Afin de poursuivre leur partenariat, le studio a demandé à Burton de se retirer en faveur d'un autre réalisateur. Fred! Babe! You are fired! Or should I say, terminated! Sam Raimi et John McTiernan ont été pris en considération, finalement c'est Joel Schumacher qui a été sélectionné par Tim Burton. Concernant la première version de Batman Forever, écrite par le couple de scénaristes Lee et Janet Scott Batchelor, l'histoire aurait été centrée sur la dualité de Bruce Wayne. Nous savons également que le film aurait proposé un homme mystère psychotique accompagné d'un rat de compagnie. Lorsque Joel Schumacher arrive sur le projet, il souhaite faire une adaptation de Batman Year One de Frank Miller. Le studio rejette l'idée car il ne voulait pas un préquel, mais une suite adaptée pour la jeune génération. Le scénariste Akiva Goldsman, qui a travaillé avec Schumacher sur Le Client, réécrit le scénario et en retire l'épouvantail et Catwoman. Face à la nouvelle tournure du projet, Keaton abandonne le rôle de Batman. Le rôle de Bruce Wayne va être proposé à Ethan Hawke. Après un refus du comédien, Joel Schumacher s'intéresse à plusieurs acteurs, dont William et Alec Baldwin, mais aussi à Dean Cain, connu pour avoir joué Superman dans la série Lewis et Clark. D'autres acteurs auraient pu jouer Batman, citons Tom Hanks, Kurt Russell, Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes, Johnny Depp ou encore Mel Gibson. C'est finalement Val Kilmer qui est sélectionné pour interpréter le Chevalier Noir aux côtés de nouveaux acteurs en vogue à Hollywood. Si Batman Forever se veut plus familial que les films de Tim Burton, Schumacher a tenu à intégrer des éléments de Frank Miller comme les éléments très brefs de l'enfance de Bruce Wayne. Toutefois, le studio a retiré les passages les plus sombres du film, comme en témoigne cette scène où Bruce Wayne s'imagine être face à une énorme chauve-souris. Une séquence qui se situe après l'enlèvement du Dr Chase Meridian par l'homme mystère et double face, blessé à la tête, Bruce est victime d'une amnésie passagère.
printemps 1997, pendant la post-production de Batman et Robin, Warner Bros. Songe à un nouveau film et fait appel au scénariste Mark Protosevich. Pour ce nouveau film, Joel Schumacher souhaite pousser la franchise dans une direction plus sérieuse avec une approche complexe du personnage. L'épouvantail et Harley Quinn devaient être les méchants principaux du film. George Clooney et Chris O'Donnell devaient revenir respectivement en tant que Bruce Wayne et Dick Grayson. Introduite dans Batman et Robin, la Batgirl d'Alicia Silverstone n'était pas dans le scénario. Joel Schumacher s'était notamment rendu sur le plateau de Volteface pour discuter du rôle de l'épouvantail avec Nicolas Cage. Finalement, le rôle de l'épouvantail aurait été interprété par le chanteur Coolio qui fait un caméo dans Batman et Robin. Intitulé Batman Unchained ou Batman Triumphant sur le net, le scénario mettait en scène un Batman qui affronte ses démons du passé et Bruce Wayne aurait été interné à l'asile d'Arkham. Du côté des vilains, Jonathan Crane, alias l'épouvantail, aurait mené une vendetta personnelle contre Bruce Wayne. Harley Quinn était une fabricante de jouets décrite par Protosevich comme étant sadique dans le sens espiègle et amusant. Quand elle apprend que le Joker est son père, celui qui est mort dans le film de Burton, elle décide de se venger de Batman. I'm only laughing on the outside. My smile is just skin deep. If you could see inside, I'm really crying. You might join me for a weep. Batman Unchained aurait été centré sur Harley Quinn, qui se serait révélée être une bonne personne. Lorsque Crane apprend l'identité secrète de Batman, il fait équipe avec Harley Quinn afin de faire envoyer Bruce Wayne à l'asile d'Arkham. La partie se déroulant à Arkham aurait dû offrir une séquence ambitieuse jamais vue dans un film Batman. En effet, nous aurions vu un Batman en pleine crise d'hallucination en train d'être jugé par les anciens méchants de la franchise. Le studio avait prévu de faire revenir Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Arnold Schwarzenegger et Uma Thurman, le tout menant à une confrontation finale avec le Joker de Jack Nicholson. Mark Protosevich a déclaré que c'est avec cette séquence que Joel Schumacher souhaitait faire le lien entre les films de Burton et les siens. There was no time left. Not for me, not for him, and not for Gotham City. And as long as I remain trapped in Arkham, there was nothing I could do, except wait for the end and remember the beginning. Quant au sidekick de Batman, celui-ci aurait été en retrait du film après un différend avec Bruce Wayne. Robin serait revenu pour la bataille finale. Le film se serait terminé avec Bruce Wayne à Bali, dans une grotte pleine de chauves-souris. Une idée similaire à une scène de Batman Begins. Si aucun casting n'a été organisé pour Harley Quinn, les agents de Protosevich lui ont organisé un déjeuner avec Courtney Love. Certains disent que Madonna aurait également pu jouer le personnage. Décrit comme le film le plus cher jamais réalisé par Joel Schumacher, suite au mauvais score de Batman et Robin, le film n'a jamais reçu le feu vert du studio. Excuse me, chief. I got something here you might want to see. I hate when people talk during the movie. Un autre projet de film Batman a vu le jour après la sortie de Batman et Robin. Alors que le projet Batman Unchained n'est pas encore enterré, Greg Silversman, un jeune cadre de production, rencontre deux scénaristes. Les deux jeunes scénaristes Lee Shapiro et Stephen Wise proposent eux aussi une version sombre de Batman. Impressionnés par la proposition des deux auteurs, Tom LaSalle de Warner Bros. Leur commande un scénario. Pour ce projet, le studio souhaite étudier la possibilité d'un soft reboot de la franchise. L'idée est de marquer une nouvelle fois une rupture avec les films précédents. C'est-à-dire un changement de ton comme les films de Joel Schumacher avec ceux de Tim Burton, mais tout en s'inscrivant dans le même univers. Côté casting, la production prévoyait un retour de George Clooney et de Chris O'Donnell dans les rôles de Bruce Wayne et de Dick Grayson. A noter que le film était d'une certaine manière centré sur le sidekick de Batman. Pensé comme le premier volet d'une nouvelle trilogie, Batman Dark Knight devait débuter avec un Bruce Wayne vivant reclus après qu'une tragédie lui ait fait perdre espoir au symbole de Batman. En parallèle, Dick Grayson aurait repris ses études à l'université, bien qu'il ait toujours des projets pour combattre le crime.
À l'université, Grayson remet en cause devant toute sa classe l'une des propositions académiques de son professeur de psychologie, le docteur Jonathan Crane. Crane, qui souffre d'une maladie l'empêchant de ressentir des douleurs physiques, voue alors une haine pour Dick Grayson. Le professeur fait alors enfermer Grayson à l'asile d'Arkham, où il mène ses expériences sur la peur. Dr. Crane isn't here right now. But if you'd like to make an appointment. Le second antagoniste du film devait être Kirk Langstrom, alias Man-Bat. Autrefois collègue de Crane, Kirk est transformé en Man-Bat après une expérience de l'épouvantail. Au niveau de l'esthétique des personnages, le visage de Crane devient entre guillemets le masque de l'épouvantail après une blessure infligée par Man-Bat. Dans le troisième acte de Dark Knight, Crane libère tous les détenus de l'asile d'Arkham. L'un des médecins blessés dans l'évasion finit dans le coma et devait devenir Harley Quinn dans le second film. There is something you could do for me, doctor. Anything, I mean, yeah. I need a machine gun. A machine gun? Enfin, Robin aurait dû revenir en tant que Nightwing dans le troisième opus de la nouvelle trilogie, pour lequel Killer Croc et Gueule d'Argile étaient envisagés comme antagonistes. Après plusieurs mois d'attente, Lee Shapiro et Stephen Wise apprennent que la Warner ne souhaite plus travailler sur ce projet. C'est à ce moment que le studio évoque un reboot pour Batman, ce qui donnera des années plus tard Batman Begins. Why bats, Master Wayne? Bats frighten me. This time my enemies shared my dread. En 1999, Warner Bros. Souhaite un reboot de Batman. Alors qu'ils songent aux Wachowski pour la réalisation, les cadres du studio contactent finalement Darren Aronofsky. Fan du travail de Frank Miller sur le personnage, le réalisateur s'associe avec l'auteur et prépare un film R-rated. Miller explique qu'il a été très surpris que le réalisateur soit encore plus sombre que lui dans son approche. Le duo prépare un scénario mettant en scène un jeune Jim Gordon, évoluant dans un service de police corrompu et qui cherche à trouver un équilibre entre son travail et une vie de famille. C'est en quelque sorte ce que nous avons vu pour le personnage dans la série Gotham. Blood doesn't lie. I know that when you leave here, you'll do the right thing. I will. I'll tell what I know. Which is what? I know that you own the police department. Probably the mayor, too. En parallèle, l'intrigue met en scène un jeune Bruce Wayne qui rejette son héritage le temps qu'il se prouve à lui-même qu'il peut réussir seul. Comme dans Batman Begins, nous le voyons vivre dans les rues et étudier les arts martiaux à travers le monde. À son retour à Gotham, il utilise sa fortune pour devenir Batman. Du côté du casting, Darren Aronofsky souhaitait confier le rôle de Bruce Wayne à Joaquin Phoenix, qui a interprété récemment le Joker. Quant au studio, il voulait Freddie Prinze Jr. Jugé une nouvelle fois trop sombre par Warner Bros., le projet prend fin en 2002. En parallèle de Batman Year One, la Warner Bros. S'interrogeait sur la potentialité d'un film Batman Beyond. Un projet sur lequel Boss Yakin et les co-créateurs de la série animée, Alan Burnett et Paul Dini, ont travaillé. Très peu d'informations circulent sur le film, nous savons que l'histoire devait être sombre et était un mélange de The Dark Knight avec les bandes dessinées contemporaines et Terry McGinnis succédant à Bruce Wayne dans le costume. Très rapidement, le studio s'est désintéressé du projet avant même qu'un premier jet du script lui soit livré. La rumeur veut que Clint Eastwood aurait pu jouer un Bruce Wayne vieillissant. I warn you, I can be a difficult taskmaster. I accept nothing short of excellence from all who work for me. I think I can handle it. Very good then, Mr. McGinnis. Welcome to my world. En 2002, Warner Bros. S'est associé avec Wolfgang Petersen et le scénariste Andrew Kevin Walker pour un film Batman vs Superman. Alors que le script de Walker n'a jamais fait l'objet de fuite, la réécriture d'Akiva Goldsman circule depuis des années. Voici ce que nous savons. Le film devait débuter par un attentat terroriste déjoué par Superman.
La seconde introduction du film était le mariage de Bruce Wayne, dont la vie de justicier est terminée depuis 5 ans, suite à la disparition de Dick Grayson, d'Alfred Pennyworth et du commissaire Gordon. Sa femme, qui ignore tout de son passé, est assassinée pendant leur lune de miel. Tous les signes désignent le Joker comme coupable, Bruce reprend le masque de Batman pour traquer son ennemi qu'il croyait mort depuis des années. De son côté, Clark, dont les parents sont morts, est séparé de Lois. Il revient à Smallville et ravive son histoire avec Lana Lang. Témoin du mariage de Bruce, Clark n'a pas pu sauver la jeune épouse. On découvre que Lex Luthor et le Joker sont à l'origine de l'attaque terroriste et de la mort de la femme de Bruce. Le combat entre Superman et Batman arrive quand Clark veut empêcher Bruce de tuer le Joker. Durant la lutte, Batman possède un costume imprégné de kryptonite et finit par blesser Clark à l'épaule. But I didn't have to go easy on you. A different binding agent, a stronger mix. I want you to remember that. I wanted to remind you to stay out of my way. In all the years to come, in your most private moments, I want you to remember the one man who beat you. Par la suite, Batman fait face au Joker qui lui révèle que sa femme n'a jamais été la sienne puisque c'est lui-même qui l'a créée. À la fin, Batman et Superman se retrouvent face au Joker et ses sbires. Alors que Bruce est sur le point de tuer le Joker, Clark lui dit de le faire sans masque. Une idée qui permettait de mettre en avant la dualité des personnages. Finalement, Bruce se rétracte et les deux héros entament un combat final contre un Lex Luthor en armure de combat. Il se dit que le film se serait déroulé dans le même univers des vieux films Superman de Richard Donner et des Batman de Tim Burton. Côté casting, Colin Farrell, qui jouera le pingouin dans le prochain film Batman, avait été choisi pour jouer le Chevalier Noir et Jude Law devait interpréter Superman. Next time they shine your light in the sky, don't go to it. The bat is dead. Bury it. Consider this mercy. Tell me. Do you bleed? En 2007, Warner Bros. Prépare la première réunion DC au cinéma. Intitulée Justice League Mortel, la direction est confiée à George Miller. Scénarisée par le couple Kieran et Michel Mulroney, l'histoire s'inspire de plusieurs comics. Justice League La Tour de Babel, Superman Sacrifices, Crisis on Infinite Earths, Kingdom Come et The OMAC Project. Pour résumer le script, le film débute par l'enterrement d'un héros, alors inconnu pour le moment. Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman et Martian Manhunter assistent à l'enterrement. Le reste du film est un flashback qui raconte la formation de la Justice League et ce qui mène à cet enterrement. Batman était au cœur du récit puisque Brother A, son satellite de surveillance des méta-humains, était l'élément déclencheur de l'histoire. En effet, son invention est piratée par Maxwell Lord qui considère les super-héros comme dangereux et Talia al Ghul qui souhaite venger la mort de son père Ra's al Ghul dont est responsable Batman. Child of Ra's al Ghul may decline. But he's not the child of Ra's al Ghul. I am. And though I'm not ordinary, I'm a citizen. Pendant le film, Maxwell Lord aurait pris le contrôle de plusieurs super-héros, mais aussi d'une partie de la population à l'aide d'une nanotechnologie. Cet élément aurait permis de voir quelques combats épiques comme Wonder Woman contre Superman, mais aussi un affrontement entre Superman et sa réplique créée par Green Lantern. Blessé suite à un combat, Batman aurait dû porter un exosquelette. Après de nombreuses péripéties, l'affrontement se serait conclu sur le sacrifice de Barry Allen qui utilise sa vitesse pour vaincre définitivement Maxwell Lord qui est devenu une sorte de cyborg. Le film se serait terminé avec la Justice League sur le point d'affronter Starro, qui n'est autre que le premier méchant que combat la Justice League originale dans les comics. Côté casting, nous aurions eu DJ Controna en Superman, Armie Hammer en Batman, Megan Gale en Wonder Woman, Common en Green Lantern, Adam Brody en Flash, Santiago Cabrera en Aquaman, Hugh Caseburn en Martian Manhunter, Teresa Palmer en Talia al Ghul, Jeba Richel en Maxwell Lord et Zoe Kazan en Iris Allen. Après ce casting officiel, la rumeur veut que l'acteur Anton Yelchin aurait pu jouer Wally West, le second Flash.
Alors que la pré-production du projet est bien entamée, plusieurs facteurs ont conduit à l'annulation du film de George Miller. Initialement prévu pour 2009, le film se heurte à la grève des scénaristes de 2007. En parallèle, le tournage qui devait se dérouler en Australie est déplacé au Canada suite à l'annulation des exonérations fiscales promises en Australie. Enfin, suite au succès de The Dark Knight, Christopher Nolan a un droit de regard sur les futures adaptations de DC Comics. Le réalisateur refuse de faire coexister cette Justice League avec l'univers de ses films. Il se dit que le film de George Miller se serait positionné comme une suite à Batman Begins. A noter que le studio envisageait un tournage intégralement en capture de mouvement. Glad I didn't miss this. So am I. Yeah. Now she's glad. En 2008, le succès de The Dark Knight est marqué par la disparition du comédien Heath Ledger, l'interprète du Joker. Très rapidement, plusieurs rumeurs ont circulé sur la toile concernant l'implication de l'acteur dans le troisième opus de la trilogie de Christopher Nolan. En effet, on parle à cette période d'un film mettant en scène le procès du Joker. Voici ce qu'aurait pu être le dernier chapitre de la trilogie Batman de Christopher Nolan. En 2005, David S. Goyer a confié qu'il avait écrit des traitements pour deux films impliquant le Joker. Le premier impliquait Batman, Harvey Dent et le commissaire Gordon chassant le Joker. Le second impliquait la transformation d'Harvey Dent en double face pendant le procès du Joker. Il se dit que le Joker aurait eu un petit rôle dans le troisième Batman de Christopher Nolan. Il aurait été en prison et sa relation avec le Chevalier Noir était décrite comme celle de Clarice Starling avec Hannibal Lecter. Joker aurait aidé Batman à stopper double face. Le scénario définitif de The Dark Knight a changé les plans du troisième film dans lequel le Joker aurait tout de même fait une apparition. La famille des Ledger a notamment confié que le comédien prévoyait de reprendre son rôle. Après la disparition de l'acteur, Christopher Nolan a décidé de ne pas reprendre le rôle par respect pour sa performance et a d'abord hésité à faire un troisième film. Pour ce troisième opus, Warner Bros. Souhaitait un méchant principal capable de rivaliser sur le plan intellectuel avec Batman. Les cadres du studio voulaient confier le rôle de l'homme mystère à Leonardo DiCaprio. Finalement, Christopher Nolan a décidé de renouer avec le premier opus en intégrant Bane et la Ligue des Ombres au cœur de The Dark Knight Rises. I'm Gotham's reckoning. It and the borrowed time you've all been living on. Beautiful. Pour beaucoup, ce dernier film est le mal-aimé de la trilogie de Christopher Nolan. Un film mettant en scène l'homme mystère et lorgnant du côté de Seven pour son ambiance aurait pu être intéressant pour l'univers réaliste de Christopher Nolan. And I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Avant d'atterrir entre les mains de Matt Reeves, Ben Affleck devait interpréter et réaliser le prochain Batman qui se serait inscrit comme une suite de BVS et de Justice League. Le film aurait exploré la disparition de Robin, évoquée dans BVS, et se serait déroulé à l'asile d'Arkham. L'acteur Joe Manganiello devait y interpréter Deathstroke. Là aussi, suite à plusieurs facteurs, les problèmes internes du studio et les soucis personnels de l'acteur, le projet est passé entre les mains de Matt Reeves. De nombreuses personnes de l'industrie décrivent le script de Ben Affleck comme l'un des meilleurs Batman jamais écrit. Récemment, nous avons appris que l'hôpital abandonné qui a servi de décor pour les 4 Fantastiques aurait été utilisé pour tourner des scènes de l'asile d'Arkham. Why did you say that name? Martha, why did you say that name? Ah, stop! Please, stop! Why did you say that name? It's his mother's name. It's his mother's name. Lors du développement de Batman Forever, un spin-off de Catwoman avec Michelle Pfeiffer était en développement. Produit par Denis Dinovi et scénarisé par Daniel Waters, Tim Burton devait le réaliser.
Waters a rendu son scénario de Catwoman en juin 95, durant la semaine de la sortie de Batman Forever. Le film aurait mis en scène une Selina Kyle amnésique suite aux événements de Batman le défi. L'intrigue se serait déroulée à Oasisburg, en quelque sorte le Las Vegas de l'univers Batman, dirigé par des super-héros. Le film se serait moqué du mythe du super-héros masculin, quand tous ces super-héros finissent par ne plus être bons, Selina serait redevenue Catwoman. Dans une interview accordée en août 1995, Michelle Pfeiffer était toujours intéressée par l'idée de reprendre son rôle, mais elle a expliqué que sa priorité était sa vie de famille. Pendant plusieurs années, le film a connu l'enfer du développement, Michelle Pfeiffer a été remplacée par Ashley Judd. Finalement, le film est devenu le triste Catwoman de 2004, sur lequel nous n'allons pas revenir. Meow. Pendant le développement de Batman et Robin, un spin-off centré sur le célèbre sidekick était en préparation. L'acteur Chris O'Donnell a révélé en 2012 à Access Hollywood que le film a été annulé après l'échec de Batman et Robin. Très peu d'informations circulent au sujet de ce projet. I mean, that's your idea of friendship, isn't it, Bruce? It's your house, it's your rules. I mean, it's your way or the highway. It's Batman and Robin, not Robin and Batman. And I'm sick of it. Yes, it's my rules. My rules that keep us alive, and if you want to stay in this house and on this team, you will abide by them. This is no partnership. You're never gonna trust me. À l'heure où cette vidéo est enregistrée, plusieurs univers Batman vont coexister au cinéma et à la télévision. Tout d'abord, nous avons The Batman, le film à venir de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Pour la Warner Bros, les choses sont claires, le Batman de Robert Pattinson est l'avenir de la franchise au cinéma. L'acteur devrait incarner le personnage dans 3 films, dont le premier se déroule durant la seconde année d'existence de Batman. En parallèle, nous allons retrouver les anciens interprètes du personnage dans le premier film autonome consacré à Flash. En effet, le film va introduire le multivers de DC Comics au cinéma. Michael Keaton qui jouait Batman dans les films de Tim Burton et Ben Affleck qui est le dernier interprète du personnage reprendront leur rôle dans le film Flash. À prendre avec des pincettes, il se dit que d'autres acteurs ayant joué Batman et Superman apparaissent également dans le film. Il se dit même que Nicolas Cage, qui aurait dû jouer Superman pour Tim Burton, participe également au film. Concernant Ben Affleck, nous le retrouverons également l'année prochaine dans le Snyder Cut de Justice League. À ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui revient sur les ajouts du Snyder Cut, mais aussi sur les ambitions de Zack Snyder pour la trilogie Justice League. Nous retrouverons également Margot Robbie et son personnage d'Harley Quinn dans le Suicide Squad de James Gunn. Il se pourrait que Joker fasse l'objet d'une suite, le film de Todd Phillips pourrait également donner des idées pour des films centrés sur d'autres super-vilains de l'univers Batman. My life is nothing but a comedy. Il ne serait pas étonnant non plus que des projets de films consacrés à Batgirl et Nightwing voient le jour. Concernant les séries, là aussi plusieurs projets sont en préparation pour l'univers de Batman. La plateforme HBO Max prépare une nouvelle série Gotham qui se déroule dans le même univers que le film de Matt Reeves. La série explorera la corruption au commissariat de Gotham City et se déroulera durant la première année d'existence de Batman. Il s'agit donc d'un préquel du prochain film Batman. La saison 3 de Titan est attendue pour l'année prochaine, également sur la plateforme HBO Max. De nouveaux personnages de l'univers Batman seront introduits, notamment Barbara Gordon. Kieran Walters, qui joue Jason Todd, soit le second Robin dans la série, va opérer sa transformation en Red Hood. La rumeur veut que l'acteur ait également droit à sa propre série spin-off. Toujours dans le rayon des rumeurs, un bruit de couloir persiste au sujet d'une hypothétique série HBO Max consacrée au Batman de Ben Affleck. Une série dans laquelle nous pourrions retrouver Jared Leto en Joker, mais aussi Joe Manganiello en Deathstroke. Pour terminer, après le départ de Ruby Rose de la série Batwoman de CW, c'est la comédienne Javicia Leslie qui interprétera l'héroïne dans la seconde saison. L'actrice jouera un personnage inédit, nommé Ryan Wilder, qui pour l'occasion a été introduite dans les comics. This reminds me of a joke. See, there were two guys locked in a lunatic asylum.
And one night they decided they didn't like that anymore. They decided to escape. So they made it up to the roof, and there, just across this narrow gap, they see rooftops stretching across town, stretching to freedom. Now, the first guy, he jumps right across, no problem. But his friend, oh, no way. He's afraid of falling. So the first guy, he has an idea. He says, hey, I got this flashlight with me. I'll shine it across the gap between the buildings, and you can walk across the beam and join me. But the second guy says, what do you think I am, crazy? You just turn it off when I'm halfway across. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo consacrée au film annulé Batman. Merci de l'avoir regardé en intégralité. Dites-moi dans les commentaires quel film annulé auriez-vous souhaité voir au cinéma. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous vidéoludiquement bien. Ciao. He's a silent guardian, a watchful protector, a dark knight. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié, soutenez la chaîne en laissant un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à Pop & Chill.